Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui, on se retrouve pour la housse de protection chien que propose Tesla. Donc, j'avais moi-même une version un peu traditionnelle de la housse de chien que j'avais trouvée sur Amazon. Mais celle de Tesla est beaucoup mieux. Déjà, il y a des protections de porte qui s'adaptent très bien, puisque c'est prévu par Tesla. Donc, voilà, avec des petits crochets à enclipper comme ceci. Donc, ça protège vraiment toute la porte jusqu'en bas. Vous voyez, vraiment jusqu'en bas. Et puis l'avantage, c'est que si jamais le chien a besoin de s'appuyer, bah, il s'appuie et il peut revenir. En tout cas, malgré la taille de mon chien, il n'a pas réussi à le décrocher, malgré le fait qu'il s'appuyait sur la porte. Donc ça, ça va. Côté intérieur, donc là, c'est pareil. Bon, le chien risque d'abîmer les bas de porte, mais en tout cas, pas les sièges. Voilà, on a une petite grille donc à l'avant pour que le chien puisse être ventilé l'été comme hiver. Voilà, avec la grille arrière. Et bien sûr, Tesla a pensé à tout, puisque sur cette version, on a un avantage, c'est que si vous avez des enfants de bas âge, vous avez la possibilité de... Alors, il doit être par là. Là, le voilà. De pouvoir faire passer les branches de l'Isofix. Soit ici, on a les scratchs. Après, là, c'est pareil. Hop, Isofix. Soit via la ceinture tout simplement, puisque bien sûr les prises de ceinture restent accessibles. Donc là, ça, et là on a les deux. Et comme vous le remarquez, il est plus ceinture et plus là, parce que l'isofix est juste là en fait. Tac. Là voilà. Donc ça vous permet de soit mettre l'isofix, soit mettre la ceinture via le. À partir du moment où bien sûr les enfants n'ont pas de grands pieds. Voilà. En tout cas, je trouve ce produit assez qualité, surtout pour le prix. J'espère que ce produit vous plaira. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup pour mon chien. Hop. Lucky. Allez, hop. Voilà. Et sur ce, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.